On est dans l'autre hangar qu'on n'a pas vu la dernière fois. Et on vient de sortir donc le DR-220. Donc une belle machine qui ressemble bien à un DR-220. Bonjour Luc. C'est bon, ça tourne. Un DR-220. Voilà. Donc train classique par rapport à mon DR-400 classique. Pas habituel, parce que classique, c'est lui plutôt qui est classique. Sinon, ouais, quand on regarde, on a vraiment l'impression d'être sur le sur le DR400. À un détail près, par exemple, il n'y avait pas la poignée. Tout à l'heure, je l'ai cherché. Il n'y a pas la poignée, voilà. On a allégé au maximum. Après, la différence à l'intérieur, ça va être le frein. C'est pas les freins sur les palonniers. Ah, d'accord. C'est un frein central, ouais. Comme des vieux DR400, d'ailleurs. Un frein central, ok. On va découvrir ça. Bon, c'est un petit peu déroutant parce que, en plus, il a le défaut de serrer un petit peu plus à gauche qu'à droite. Ah. Non, à droite qu'à gauche plutôt. Bon, là, comme ça. Bon, après, bon, on s'y fait. C'est clair. Donc, on part pour un vol à destination de la Grand Combe, Auzon, Le Bouquet, Uzès, Pont du Gard. Ouais. Au pont du Gard et au retour Uzès. Retour par les gorges de l'Ardèche. Et finalement après les gorges de l'Ardèche. Voilà. C'est fabuleux. Et entre le pont du Gard et les gorges de l'Ardèche, il y a un petit truc qui s'appelle la Chartreuse de Valbonne. Ouais. Qui est un ancien monastère. Mm-hmm. Et qui est à voir. Très bien. Mais je le retrouverai. Ah ben voilà, ça c'est bien. Alors par contre, il y a un truc que je trouve bien là, c'est qu'il n'y a pas l'arceau central ici là. Oui, ça c'est sur pas les aussi, sur les autres, c'est... On a une très bonne visibilité sur celui-là. Hein. Ouais. Alors, avant d'installer les caméras, on va déjà installer le siège. Alors. On tire. Voilà, tu fermes là. Simple et efficace. C'est ici. Voilà. Ici, donc on vérifie que ce soit bien fermé là, ouais. De, à gauche et à droite. Et ici. D'accord. Nickel. On sort de là. Voilà. Il part tout seul. Oh, il démarre. Ça c'est nickel là. Parfait, c'est bien. Alors. Bon, voilà, très bien. Bah écoute, tu sais quoi, je vais faire comme l'autre jour. Ouais. Je vais les lancer tout de suite et on n'en parlera plus. D'accord. Rion, c'est le Fox Charlie Hotel, bonjour. Rion, ce Fox Bravo Papa Charlie Hotel, DR-220 en parking, on roule le pôle. Le point d'attente, piste 18 à Rion. C'est bon, allez, on enlève un petit peu le frein. Je te le sors de là-dedans. On télémarre, hein, d'accord. Ok. Voilà, on va décoller face au sud parce qu'il n'y a pas de vent. Alors sur cet avion, les palonniers, tu vois, bon, c'est pour diriger bien sûr l'avion, ouais. Au sol. Et en bout de course, il y a un frein. C'est-à-dire que si tu veux tourner un petit peu, ben, tu peux bloquer la route. D'accord. Par exemple. Ah, tu vois, okay. Puis, okay. Mais c'est vrai. Ah oui, rudement efficace. Hein. Wow.
tu tournes sur place. Ouais. Voilà, on va essayer un petit peu le frein. Alors tu vois, il a tendance à partir à droite quand on freine, tu vois. Ouais. Ah oui. Voilà, donc faut le pour y penser, le savoir et corriger un petit peu avec les pieds gauches, quoi. Ouais. Alors, le badin est ici, normal. Le badin est ici. Le suction, l'altimètre. L'altimètre. Donc il est sur 350. On est à 350 pieds, un vario. Ouais. Bon, l'horizon artificiel. Ouais. Ah ben là, pour le coup, on a un conservateur de cap qui est beaucoup plus précis que là. Non, c'est pas un conservateur de cap, c'est un vent. Ah, c'est le vent. Ouais, non, le conservateur de cap, on l'a démonté parce qu'il était en panne. D'accord. Et on va le remonter la semaine prochaine. D'accord. Non, la prochaine fois qu'il part en visite, plus exactement. D'accord. Bon, on ne savait pas trop si on mettait un G5 ou pas, et puis après, on a dit non, c'est quand même un vieil avion, on va garder un peu la garde le charme de la... Sinon, après, tu commences à mettre de l'électronique de pointe, c'est dommage, c'est un avion comme ça. Et oui, c'est sûr que tu te dis là... Bon, le terrain, il a besoin d'une bonne tente. Ouais, sauf que ouais, l'autre fois, je me disais, finalement, quand tu ne sais pas où est la piste, tu cherches où il y a moins d'herbe. Je cherche où il y a moins d'herbe. Voilà, allez, on va faire les essais moteurs. Ah, ça y est, trouvé le palonnier bien à gauche. Donc c'est du classique de 1800 tours. Voilà, 1700 tours sur celui-là. 700. Ouais, magnéto. On perd environ 100 tours, on les regagne, left, même chose, réchauffage carburateur, la température augmente, on perd 150 tours, on les regagne, la mixture, arrête, ouais, elle est très, très vive. Effectivement, si tu tires la craque. Toi, tu arrêtes le moteur tout de suite. Et le ralenti, il est bien, 1200 tours. Alors, frein de parc, on le laisse, contact 1 plus 2, les commandes sont libres. Dans le bon sens, tout comme dans il faut. Dans le bon sens, les palonniers, il n'y a rien qui coince dessous. Commande, c'est ce que j'en suis. Huile, pression et température, on est bon. Température, on n'est pas encore tout à fait dans le vert. Essence, on est ouvert, on est pratiquement le plein. J'ai regardé, c'est demi-heure qu'on a fait, donc il reste 4 heures d'autonomie, 4h15 d'autonomie. La pompe électrique est en marche. Les portières sont fermées, verrouillées. Les volets, on va mettre un cran pour le décollage. Ils sont sortis symétriquement. Gauche, bien. L'électricité, l'ampère-mètre. C'est bon, la génératrice c'est bon. L'anticoléon, inop, c'est quoi inop ça? Inopérant. Ah, inopérant, d'accord, inopérant. Et ça c'est la bille. La bille aiguille. D'accord, on peut la désactiver. Ouais. Bon, il y a deux boutons qui ont été montés, je sais pas pour dans quelle intention, mais enfin bon. D'accord. Certainement de mettre des... Ça c'est le démarreur là. Ok. Voilà. Bon, mais les réglages, alors 4,5 c'est bon. Alors le... ça c'est le trim ça? Ouais, ça c'est le trim ça, ouais. Alors le décollage, tu vois, 4,25, 4,5. Ouais. Et après, quand on est en croisière, on est vers 2,5 à peu près. D'accord. Hein? Allez, la température a décollé, ben, on va pouvoir y aller. Hein. Donc là, ça c'est la radio. Ça c'est la radio, donc 123,5 le club, 118,925 c'est le orange. Mm-hmm. Bon, on va rentrer dans les zones d'orange. Ouais. Et puis, ben voilà, c'est tout bon là. D'accord, très bien. Allez, on va faire un petit coup de radio. À Ruyance, le Fox Charlie Hotel, on s'aligne et décolle piste 18 à Ruyance. On enlève le frein. Voilà. Un petit peu. Bon, tu as ta manette de gaz là-bas. Ouais. Tu es habitué au milieu? Je suis habitué au milieu. Allez, pas de souci. Alors, ok. Comme sur le mousquetaire, il n'y en a qu'une. Ah, d'accord, au centre. Forcément. Au centre, forcément, ouais. Ah, effectivement, ouais, tu sens bien le... Ouais. Finalement, t'arrives facilement buté là-dessus où je rêve. Ah oui, tout à fait, mais c'est pas un problème. Hein. D'accord, oui, d'accord. Et donc tu tournes grâce au frein finalement. Oui, voilà. Tu peux le bloquer un peu.
Ok. Voilà. C'est par là, comme ça. Ok. Allez, le marche légèrement en arrière. Légèrement en arrière, pleine puissance. Vas-y, pleine puissance. Du pied un peu à droite, sans doute. Ouais, un peu de pied à droite. Ok, et il est 35. En ligne de vol. Ouais. Alors, le badin est actif. Voilà, en ligne de vol, il faut mettre un peu du pied à droite aussi. Ouais. Donc là, on a senti qu'il s'était mis en arrière. Voilà. Et tu attends qu'il soit à ça à l'heure et il décolle tout seul. Hop. Effectivement, voilà. Même pas eu l'occasion de se poser de questions. C'est génial. Et un avion qui décolle tout seul, c'est toujours mieux qu'un avion qu'on a marché du sol. C'est clair. Voilà, après vitesse de montée 115-120 avec les volets. Ouais, 120 on est là, très bien. Voilà, là on fait une petite baïonnette, là on va prendre au cap 230. On reste à 120. Ouais. Fabuleux. Alors là, on a passé les obstacles, on va rentrer les volets. Ok, hop, à 0. À gauche. On coupe la pompe. On coupe la pression d'essence, c'est bon. Et on laisse évoluer la vitesse vers 130. Vers 130. Ah ouais, c'est pareil, une visibilité de fou là. Ouais. Très bien la visibilité là. Bon, cap 230, ça va être un tout petit peu à droite là. Voilà. Ok, 130, 140. Voilà, on est bien là pour monter. Bon, on va monter jusqu'à 2500 pieds. 2500 pieds. Pour voir combien il est. La grande combe là-bas, je ne me souviens plus. Peut-être qu'il faut monter un petit peu plus. Il est à 1600, ouais, donc... Bon, 2500, ouais, 2600, allez. Ok, donc l'altimètre, il est là. Ouais. Alors la grande combe, bon, ben là on est pile poil sur la grande combe, hein, voilà, je continue comme ça. D'accord. Bon ben, la cible elle est là-bas. Voilà. Le vario, très bien. Ouais, là tu lâches le manche et il monte tout seul, tu vois. À ça, il doit se mettre à 130. Ouais. Ouais. Câble, hein. La vie est pas belle. C'est formidable. Ah, la plaine de Berrias, donc, avec Chandonas. Ouais. De ce côté, Gros-Pierre. Là-bas, c'est le Chasse-Zac, imagine, avec ses petites... Voilà, toute la rivière, là, donc, c'est le Chasse-Zac. Ouais. Là-bas, c'est le Chasse-Zac du côté de Castelgeau, Masse des Plages, Cholet. Il y a trois jours, on était là-bas, justement. D'accord. On est allé à la maison, maison Neuve, c'est ça? Oui, Maison Neuve, qui est juste en dessous, je pense. Maison derrière. Neuve, c'est le clocher qu'on voit, là-bas, qui dépasse, là. Ouais. D'accord, bah tiens, on a l'intersection de la D110 et puis voilà. Et Maison Neuve qui est juste en dessous, là. Tout à fait. Genre, en voiture, tu mets 20 minutes, tu sais? Oui, oui. Ah, tu divises par trois, d'ailleurs, à peu près. Ah ben, bah, c'est clair. Et quand tu traverses le massif central, c'est même souvent un petit peu plus. D'accord. Donc, tu vois, tu vas à La Rochelle, par exemple, en avion, d'ici, tu vas mettre 2h30. Et tu y vas en voiture, il te faut de la journée, quoi. Ah ben oui, c'est clair, ouais. Ah ben oui, rien que la traversée des Cévennes et tout, là. Ah oui. Alors, soit tu traverses par les Cévennes, c'est long, soit tu prends l'autoroute, mais ça te fait faire un détour jusqu'à Toulouse, tu vois. Ouais, c'est très long, ouais. En tous les cas de figure, c'est long. Ah ouais. On est 2000 pieds et on traverse le Chasse-Zac. Le Chasse-Zac. Ah, le rond-point, ça y a pas d'ambiguïté. Ouais. Cet après-midi, on va du côté de Saint-André-de-Cruzières. Ah ouais, d'accord. Petite spéléo. Oui, d'accord. Spéléo que tu organises tout seul, donc ? Ah non, là c'est avec des amis. Ouais, tout à fait. D'accord. Bah là, tu sais bien que partout ici, il y a des trous de spéléo de malade. Je connais ça. T'en as déjà fait ? Oui. Bon, bah, pas récemment, parce que j'en ai plus beaucoup maintenant, mais ouais. j'en ai eu beaucoup fait de ma jeunesse, oui. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est le paradis de la spéléo, en fait. Hein. Ah oui, sûr. Hein. Chose que j'aurais jamais imaginé en étant originaire du monde du Sud, un peu plus au sud vers Nîmes, mais... Ouais.
Voilà, là tu as le village de Vannes, là en face de toi. D'accord. 2400 pieds. Alors, oui, on va monter 2006. Voilà, très légèrement à gauche. Voilà le village de vacances de Casteljau, là sur la presqu'île de Casteljau. Ok. Là-bas, les Lances. Ouais. Et on est fort à 2600 pieds. Voilà, tout droit là, tu vois, donc Saint-Paul-le-Jeune. Alors, on affiche l'assiette. Voilà, ok, on va dire que c'est celle-là. Ouais, on va mettre. Alors, on va le compte tour, il est où là? Le compte tour, il est là, pardon. Le compte tour, il est ici. D'accord, ok. Voilà, on va réduire, on laisse lui prendre sa vitesse. 2400, on va chercher. Voilà, 2170, c'est bon, là tu peux afficher 2400. 2400 tours. Voilà, 2450, c'est bien. Voilà. Ah. Puis le fignol, tu le règles un petit peu si tu veux. Ouais. Tu peux en avant peut-être encore. Non, on descend là. Non, c'est bon. Bon, je sais pas, je vois que j'ai un vario positif, c'est pour ça. Voilà. Ok, on est bien. Ah, c'est un petit peu à droite. Le village de Bannes aussi, il est sympa, il est joli là, avec son ancien château, tu vois. Rampe de Bannes, oui, une fois on était monté quelque part en haut là, il y a un petit sommet qui s'appelle justement Rampe de Bannes. Oui, tout à fait. Ouais, il y a belle balade à faire là aussi, il y a un sentier botanique et tout ça là. Oui, puis c'est pareil là, quand tu passes juste en forêt dessous là, tu te dis, ouais, ça fait du bien. Ah ouais. Parce que t'as pas beaucoup forcément d'endroits où il y a vraiment des arbres, des feuillus. Je crois que c'est un peu des feuillus d'ailleurs, ouais. De mémoire, c'est il y a quelques années. Et là, bon, un petit peu de végétation, là c'est des résineux après. Là. Ah, plutôt résineux alors. Ouais, bon. Ouais, là ce qu'on voit là c'est des résineux là. Ok. Donc effectivement on a les premiers contreforts finalement de tout ce qui va devenir les Cévennes. Voilà, là on est au contrefort sud-est des Cévennes après. Ouais. Ouais. Alors, le cerf de Bar. Alors, le cerf de Bar, c'est au bout de l'aile, là où il y a le relais, là-haut, tu vois. D'accord, c'est juste celui qui est en face, le plus haut. Okay. C'est au-dessus des vins, voilà, ouais. D'accord. Voilà, là, si tu veux y marcher aussi, il y a une belle flambette. Hein. Ah, ben là, oui, j'ai regardé justement il y a deux jours, tu dis, t'as du dénivelé quand même. Hein, c'est ça, ouais. C'est pas pour rien que tu commences à être à la montagne. Ouais, il y a des belles balades à faire là aussi, là, ouais. Alors, non, c'est un petit peu la turbulence, tu vois, maintenant, là. Ouais. Le vent du nord qui passe sur les Cévennes, là. Voilà, on arrive à Cagnières. Je l'entends moyen, la radio. Ouais, il est loin. Ah ouais, c'est formidable. Voilà, après derrière c'est Bessèges. Ouais. Bon, alors justement, tiens, si on regarde un petit peu là-dessus. Un tout petit peu à droite. On aperçoit le château dont je te parlais là-bas. Ah oui. Ok, d'accord, je vois où on est là. Qui est au nord du terrain là, quoi, en fait, quoi. Celui qui est sur la droite en face là? Ouais, non, pas celui-là, l'autre qui est là-bas. Alors on le distingue difficilement. Là, on y va à peu près droit dessus, là, tu vois. Ah, ok. Ah, d'accord, ouais. Sur la crête, là-bas. Alors justement, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de simulation. Ouais. Donc, tu as les terrains qui sont bien représentés, qui sont réalistes, enfin, avec les images et tout. Et après, bah, là, je vais voir justement si j'arrive à reconnaître. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas été dessus, oui, là. Oui, d'accord, ouais. Mais je vais voir si ça me parle ou pas. Ah, la grande combe, si tu l'as déjà vu, il te parlera. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il est vraiment très particulier. Hein. C'est tout en terre, tu vois. Et là en dessous, c'est quoi? Bessèges. Ah, Bessèges, oui. Dans tous les coins où il y avait l'exploitation de mine, tu vois. Là-bas, il y a un viaduc, tu vois, c'est la ligne Alès-Clermont-Ferrand. C'est une toute petite ligne qui est superbe, tu vois, ceux qui adorent les prêtres. Et ceux qui adorent les ouvrages d'art, oui. Il est très spécial parce que c'est un ouvrage d'art qui fait un S en fait. Ah ok. Il est pratiquement unique là, pratiquement unique quoi. D'accord.
Donc là, eh bien, il y avait l'exploitation des mines de charbon. Hein. Ok. Une fois, on a fait une petite balade justement par ici. Je crois qu'on était venu se garer en, par en dessous. Là. Enfin, on était monté un petit peu là. D'accord. Et puis balader par là. Ouais. Bon, il y a des milliers de sentiers. Hein. Ah bah là, oui. Effectivement, on sent les reliefs là. Ah ouais, ça va bien, hein. Ah oui. J'en vois à gauche là, c'est ça. Voilà, c'est celui-là, le château là, qui est assez sympa. Et le terrain là, on commence à voir le bout là, tu vois, en terre, la partie blanche qu'il y a derrière le mamelon là-bas. Ah oui, d'accord, juste à gauche là. Voilà, juste à gauche là. Effectivement. C'est le terrain. Ce château là, moi je l'aime bien, je trouve qu'il est rustique. Ah oui, tout à fait, ouais. Bah, je te crois que je te retrouve la vidéo sur laquelle on y avait été. Ouais. Tu vas voir comment on s'amuse dans un simulateur. Ouais, j'imagine, ouais. D'accord, effectivement, non, là ça me parle bien. Et donc le pont, le viaduc. Voilà, le viaduc là-bas est superbe. Hein. On voit bien là, qu'il fait. Bon, on voit une boucle du reste. Ouais. Et le château. Ah oui, dis donc, il a de la gueule. Ah ouais, il est bien restauré, il est sympa, hein. Ah, c'est clair, oui. Voilà, tu vois le terrain là-bas? Oui. Ah, c'est cette grande surface là? Cette surface là, sans herbe. Je la voyais plus enfermée quand même, moi, le... Ouais, c'est assez... Bon, c'est assez élevé, quoi. Ouais. Bon, donc on va virer vers le terrain. Voilà, on peut faire une verticale du terrain et puis... Là, on a un vent de gauche, là. Ouais, peut-être bien, oui. Et on le sent bien, il nous pousse. Ouais. Bon, alors, grand combe, effectivement, la ville derrière. C'est vrai que le terrain il n'est pas dans un état formidable parce que bon, ben, c'est de la pierre donc... Ok. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'activité. Ouais. Il est pas... y a des planeurs aussi je crois là. Non ouais, il y a des planeurs, ouais. Ouais, ils font surtout planeurs. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être un peu chaotique là. Ouais. Je me mets à l'écoute des deux fréquences pour savoir si Orange est actif. D'accord. Bon, donc, la ville de Grand Combe. Voilà, la ville de la Grand Combe. Là-bas, la ville de Halès, donc. Ouais. Donc là, c'est bien, on va naviguer à vue, on va à la recherche d'Ozon. Voilà, la recherche d'Ozon, voilà. Alors, donc, hop là, nous sommes ici, la Grand Combe, au-dessus de la Grand Combe, hein. Ozon, donc... Ozon, en fait, tu trouves Allègre les Fumades, c'est juste à côté. Voilà. Ça doit être par là, je pense. Donc, en gros, on va prendre un cap, je sais pas, 0,70. Ouais, d'ici... oui. Ouais, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. T'as le bouquet qui est là-bas, ouais. C'est forcément à gauche du bouquet. Donc là, je dirais, on est sur un combien, là? Sur un 150, ouais, on peut prendre un... Ouais, tout à fait. Bon, manifestement, il n'y a personne dans le ciel aujourd'hui. Ouais. C'est tranquille. Alors, Grand Combe, il est 30-49. Bon, alors, donc ça, c'est Salindre, là, les usines. Alors, les usines, c'est Salindre, oui. Le bon bouquet en face. Le bon bouquet en face. Hein. Ozon, ça doit être sur la gauche, puisque là-bas, je vois la ligne de crête, tu sais, là où il y a le château d'Allègre. Et je vois les deux petits mamelons. Tu vois, juste en face de nous, tu as des espèces de petits mamelons, là. D'accord. Bah, Ozon, c'est juste en bas à gauche, d'après ce que je regardais sur la carte hier. D'accord. Ouais, moi, je l'aurais vu un peu plus haut, mais bon, ouais, peut-être bien, ouais. Oh, ben, c'est juste quelque part, là. Maintenant, je pense qu'on va le découvrir quand on sera plus ou moins dessus, quoi. Oui. Alors, le trait, c'est 2500, là.
Là, on est à 2003. Hein, 2003, c'est ça, voilà. Voilà, tu peux mettre 2004, c'est bien. Ça. Alors, grand combat à l'arrière. Alors, le terrain d'Alès, l'eau, il doit être quelque part là-bas à droite. Oui, alors je regarde un peu pour allègre les fumades et pour les tourner un petit peu à gauche. Oui. Oui, donc là, ça fait quand même assez étendu, hein. Ah, là, c'est, on voit qu'il y a vraiment une grande superficie. Oui, oui, oui. Puis bon, après, tout se touche après les villages, là. Ouais. Les villages, les maisons, entre l'Aise, Rousson, Salène, donc tout ça, c'est quasiment tout lié. Hein. Ouais. Et Saint-Ambroise est là-bas. Là. D'accord. Donc en fait, tu vois, il faut prendre. Parce qu'en fait, on est à 10 minutes de Saint-Ambroise. Ouais, donc en fait, il y a une route qui mène de Saint-Ambroise et quand on la suivra, enfin, si on n'y passe pas loin, on tombe pile sur Ozon. D'accord. Là, c'est le lac de Salène, là. De... Oui. Effectivement, une fois qu'il est bien réglé, comme n'importe quel avion. Non, mais c'est pas une image désagréable. Hein. Ah, très agréable. Non, moi, je trouve que pour faire de l'école, tu vois, c'est assez convivial, quoi. Tu vois, ah, c'est super. Alors, faire de l'école sur le PA18, c'est pas évident, quoi. Ouais. Ah, c'est pas la même chose, hein. On voit bien la différence. Hein. Oh, tu fonctionnes, et tu fonctionnes, c'est formidable. Eh bien, tout le monde fonctionne bien. Alors, à partir de maintenant, on repère. Hein, je dirais que là-bas, il y a un candidat, il y a une petite butte. Hein. J'ai peut-être un visuel là. Ouais. Ouais, un petit visuel là. Il y avait ça, la colline là, ici, il y a une autre colline là-bas. Ah, ils ont activé. Orange. Ouais. On les appellera tout à l'heure. Bon, là, on n'est pas dans leur zone, donc c'est d'accord. Ouais, c'est quand on reviendra plus vers le... On reviendra après du bas, ouais. Alors, on a la route, les petits patelins, là. Ozon, ça doit être le petit village qui est juste à gauche, là. Oui. En bas à gauche, tu prends la route qui part comme ça, là, et juste à gauche, là. D'accord. Un tambourin, c'est donc ici, ouais. Derrière le lac là, enfin les temps. Oups. Ah, Saint-Ambroise, non, c'est pas là, c'est Rousson, Saint-Ambroise, c'est celui-là là-bas. Ah d'accord. Et là-devant, ça va être les fumades là. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc ouais, je pense que ce qui est à gauche là, c'est Ozon là. Ozon, on va tirer. Juste en dessous là, ouais. Juste en dessous, ouais. Quand on avait décollé avec Philippe de Alès, on arrivait quasiment comme ça. Ouais, d'accord. Je l'ai vu au dernier moment, là je vais commencer à... Ouais, je pense que c'est voilà. Ça. Bon, tu peux monter, descendre, faire ce que tu veux. D'accord. Bon, on va descendre un petit peu alors. Pas ouais. Trop rapide pour pas arriver comme une balle. On va chercher un demi-pied, ça te va? Oui, très bien, très bien. Réchauffe carbu à demi-tour? Non, c'est non. Bon, on n'est pas dans l'arc jaune, hein, je crois. Ah oui, d'accord, c'est ça l'indication. Ouais, ouais. Alors, l'usine, le machin. Les temps, ouais, de toute façon, je pense que ça peut être que ça. Il y a la route qui est là. Ouais. C'est vrai que dès que t'es en l'air, t'as pas du tout les mêmes. Là, il y a une route qui s'en va, qui fait le contournement. On est 2400 pieds, c'est bon. Ok, demi-tour. Ouais, je vois, tiens. Alors mes parents, ils sont juste... Ouais, ça y est, ils voient la maison. Ouais. Tu vois la piscine qui est là? La piscine... La seule qui est en bleu, là, attends, oui, sur la partie droite. Oui, tu vas juste à gauche, là. Ouais. T'as une maison avec des arbres enfoncés.
Et oui, ensuite, tu as deux maisons avec des terrains comme ça. Là. Oui, quand vous montez par là, c'est la maison à droite. Un fourgon à côté là. Ouais, c'est juste à côté, voilà. Voilà, t'as le fourgon qui est sur la rue là. Ouais. Bon, ben ça, c'est le truc des propriétaires, je pense, d'à côté. Et mes parents, ils sont juste là. D'accord. 2200 pieds, c'est bon. Tu peux aller leur dire bonjour. Salut à tous et à toutes. Où est-ce qu'ils sont là? Ah, ça y est. Okay. Bon, alors 2000 pieds, hop, on remet 2400. Toi, tu es originaire d'ici alors, ou bien... Alors en fait, moi je suis plutôt de Nîmes, enfin oui. Ma famille est de Nîmes. D'accord. Et donc quand mon père est parti à la retraite, preuve de la famille. D'accord, ouais. Ils sont venus ici. D'accord. Donc là, je propose qu'on fasse un tour comme ça, juste là, hop, et on reviendra et on partira. Vas-y, attaque comme on a ça. Comme ça, ça permet de voir un petit peu les environs immédiats d'en haut. Super joli village là-dessus. Oui, tout à fait. Et là aussi, il y a un petit château quelque part là. Ouais, Je me rappelle plus comment il s'appelle. Je vois une église, je vois. Non, je vois pas de château. Alors, je sais plus si c'est celui-ci ou un petit peu plus loin. Ouais. Et juste derrière là-bas, t'as le château d'Allègre justement. Ah oui, celui-là je connais, oui. Ouais, super, ouais. Ok, alors Saint-Ambroise c'est là? Saint-Ambroise c'est là. D'accord. Bon, ben, on va faire un tour comme ça. Hop, ouais. Boson c'est là, très bien. 2400 c'est plutôt par là. Voilà, là peut-être on va tourner parce que sinon on va rentrer dans la zone d'orange. D'accord, ok, un petit virage. D'accord, je vois le quoi ça correspond là-bas. Alors Monzon, il est toujours là. Bien, 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 bien. Et là, t'as une nougaterie. La nougaterie des fumades. Ah, nougaterie, d'accord. Ils font pas de bonnes choses intéressantes. Ouais, bien. Et voilà, un dernier passage. Alors, on est à 2000 pieds, là c'est bien. C'est une bonne altitude 2000 pieds pour bien voir les choses. Ah oui, 2000 pieds c'est pas mal. Ni trop bas, ni trop haut. Voilà, le parking, l'école. Hello. Bon alors, il est dehors ou il n'est pas sorti? Bon ben voilà, c'est sympa. Finalement ça va, c'est pas trop méchant à retrouver. Ouais, c'est facile, ouais. Mais si on suit bien les cartes. Ben disons après quand t'as une connaissance un peu de la région. Ouais. Il y a une manche à air au milieu là? Ouais, tout à fait. Il y a un ULM? Non, je pense pas. Mais bon, tu sais. Comme ça, ouais, je voulais savoir quel côté de le vent. Ouais. On reste sur un 2002, on monte à un 2005. On peut rester à 2002, c'est bien. Ouais. Alors. 2005, et puis on redescendra après vers le Portugal, après. Hein. Ok, parce que le bouquet il a 2060 là. Oui. Bon, tu me diras, les 500 pieds on les a par rapport en dessous. Et on va pas dessus donc. Ouais, bah, on y va pas dessus. Hein. Alors le château d'Allègre qui est juste à gauche là, en bout d'aile. En fait il est sous l'aile, voilà le château d'Allègre. Ouais voilà, chouette ce coin là aussi là. Alors normalement en face de nous on devrait avoir Luçon, un petit village qui est au perché. Oui. Enfin qui est au perché. un joli village. Ouais. Un peu fortifié je crois. Un peu fortifié, ouais. C'est superbe. Il est au nord de... Ouais. Bah, c'est un petit peu plus au nord. Et là, une 21 ans qui se zone fréquente par l'est de journée. Ouais, là on doit avoir Méjeanne Le Clap. Ouais. Alors Méjeanne, tac. Ouais. Mon bouquet. Il est beau le bouquet, hein. Ah ouais. Alors là c'est pareil, quelque part en dessous t'as un truc qui s'appelle le col du Bourricot. Ouais. Et t'as pas loin du col du Bourricot, t'as une petite grotte. Ah bon. Sympathique à voir. D'accord. Ah ouais.
un peu de lunettes histoire de mieux voir la carte. Ouais. Le bouquet est ici. Ah, pour le coup, la droite, ça sera mieux. Allez, je vais chercher le terrain, je vais trouver. D'accord. Ah oui. Voilà, très légèrement à droite. En face, là, à gauche, légèrement, non? Non. Non. À droite. À droite? Ah bon. Tu vois le photovoltaïque là devant là? Ouais. Dans l'axe des photovoltaïques. Enfin, les photovoltaïques, pas celui qui brille, ceux qui sont plus à droite. Ah oui, d'accord, ok. Et il est derrière là-bas. Il est orienté comme ça là. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Tout à fait. En fait, il est orienté nord-sud. Ah, nord-sud aussi. Ouais. Ah, le village de Lucan. Ah oui, voilà. Donc, ouais, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on était venu donc de Alès, pour aller à Montélimar, à un moment donné, comme point tournant, je l'avais pris lui, tu sais. Je m'étais dit, bon, il est surélevé, on va le voir. Puis c'est pareil, c'est l'occasion d'aller le voir. Oui, bien sûr. Sauf que quand t'arrives là, surélevé, ouais, voilà, c'est excessivement relatif, quoi. Voilà, c'est pas une grande hauteur. Ciao, le bouquet. Alors, le terrain, c'est celui qui est là. Ouais, celui qui est là. Pardon, c'est Fusès de Fox Charlie Hotel, on est au nord-ouest des installations, 2700 pieds, on repasse, c'est vertical des installations dans 2 minutes. Alors, et par ici, on a un petit village qui s'appelle La Bruguière, là-bas. Ouais, d'accord, La Bruguière. Donc là, c'est pareil, coucou à des amis, justement, spéléo. Ouais, ok. C'est eux qu'on va voir cet après-midi. Le village que... Il est recommandé de ne pas survoler lorsqu'on fait des tours de piste à Uzès. Ah oui. Voilà. Parce qu'il y a des riverains qui râlent. Ah ben, normal. Hein. Normal, il faut les respecter. Hein. Tout à fait. Si on veut continuer à voler tranquillement. Ouais. Donc là-bas, tu as la ville d'Uzès. Ah oui, d'accord. Voilà, disons. Qui est juste dans la zone à la limite à l'ombre là. À une heure. À une heure. Pas loin d'ici apparemment, il y a un club d'astronomie aussi. C'est d'autres copains à aller voir ça. Ah, bon, à une époque, oui, je me... Bon, ça c'est intéressant ça aussi. Ça me plaisait bien. Ah oui, moi aussi, c'est un truc que j'aime bien. Ça vieux, mais... Oui. Une belle activité. Justement, il n'y a pas longtemps, ils avaient fait la nuit des étoiles, ils avaient fait cela. Ouais, d'accord. Mon père, il y avait été faire un tour là. Alors, on va descendre en dessous de 2500, pardon, pour ne pas rentrer dans la zone de Montpellier. D'accord. Alors on va éviter Uzès et on va plutôt prendre à droite alors pour le pont, plutôt à gauche. Plutôt à gauche. Plutôt à gauche. Voilà, tu descends 2000 pieds, hein, 2000 pieds. 2000 pieds. Uzès de François Charlie Hôtel, on est parti à des installations, on se dirige vers le pont du Gard en descente vers 2000 pieds. Ah ouais, on la voit bien la vitesse là qui se rapproche de l'Arjona. Ouais. Oh, puis il avance bien, hein. Ouais. Ah ben c'est cool là. De la Fox Hotel Charlie Uniform Charlie à 5500 pieds dans de l'Est pour une intégration dans le circuit pour la 02 main gauche. Montélimar de Fox Hotel Uniform vertical des installations 2000 pieds 18 se renforce en début de vent arrière pour la 02 ULM. Alors La Bruguière est à gauche, ah, on l'est éclairé là maintenant. Ouais. Donc Uzès, on est toujours à 2000 pieds, ça, voilà, 2000 tours, ça sera mieux. On continue à descendre jusqu'à 2000. Ah. Ouais, tu vois, on est à 800, là les oreilles elles commencent à te dire. Ah ah. Ah ah. On sait pas trop. Non. Ah là, 500 pieds, c'est mieux. Ah là, Uzès, la capitale du bonbon à Ribot. Ouais. 2100. Voilà, et tu vas tout droit comme ça, c'est pas mal. Ok, on remet 2400 tours. Bon, on dit, mais juste derrière la colline. Hein. D'accord. Ah oui.
2400. Voilà, Uzès, la vieille ville, c'est sympa aussi. Avec un joli château. Non, c'est pas ce que je vois là, c'est plutôt l'église là que je vois ou c'est le château? Oh, c'est le château là, hein. C'est le château là, hein. Ouais, ouais. D'accord. Tu as l'église un petit peu plus loin là-bas, tu le château. Ah oui, effectivement, ouais. Ah ouais. Elle fonctionne toujours la caméra de tête là? Oui, toujours. Okay. Elle clignote. Ouais. Hop là, 1900 pieds. Un petit check matériel de temps en temps, ça fait pas de mal. Charlie, vertical terrain pour navigation pour la 02 à Montélima. Montélima, d'un Fox Hotel Uniform en début de vente arrière pour la 02. Alors, Uzès, tu vois, il était 10h05. Ouais. On est dans les temps. Hop. Sans problème. Ah, sans problème. Alors là, avec une machine aussi agréable que ça, tu te dis, on va voler 2h. Oh oui. Ah, on voit Tim là-bas. Ah oui, d'accord. En vente arrière, main gauche, trafic en vue pour la 02 à Montélimar. Derrière le petit. C'est à gauche. J'en reviens pas de cette visibilité. Ah ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, hein. Et c'est à partir de quelle machine, tu sais, que le tableau de bord, il a été un petit peu remonté? Oui, je sais pas à partir de quelle machine, ouais, mais dès qu'ils ont mis le DR400, le tableau de bord, moi, à mon sens, il est trop carré, tu vois, et puis trop élevé. Voilà, là, on va suivre le gardon, là. D'accord. En suivant le gardon, on passera obligatoirement. Ouais, je vois là-bas, ça doit être quelque part à gauche là, non c'est ça? Voilà. Là tu as le circuit automobile de l'aide-dedans. Ah, je connais pas ça. Ouais, le circuit automobile pour de Nîmes, quoi. D'accord. Donc là on voit bien Nîmes. Ouais. Bon, du point de garde, du fait qu'on a le... Là, il doit être quelque part juste en dessous, là. Ah, ben si, ça y est, je le vois, là. Donc, la voie, tu vas... À 10h30, allez. Tout à fait. Alors là, on a le soleil de face, là. Bon. Ouais. Bah, de toute façon, on va faire ça comme ça. Ce sera, sera la face sud qui sera fait, la face est, qui sera éclairée, quoi. Ah oui, ça y est, je vois le bien. Ah oui, dis donc, c'est pas un petit tour, un petit circuit, ça. Ah oui, c'est un gros circuit, hein. Il y a des voitures qui tournent, d'ailleurs, hein. Ah oui, eh oui, oui. Voilà, je ne serre pas trop, parce que sinon on va rentrer dans la zone d'Orange, d'Orange de Nîmes. Bon, bah effectivement, là, le pont du Gard, on peut dire qu'on le voit, très bien. Tu peux descendre un petit peu, si tu veux, tu peux descendre à 1500 pieds. Ok, pour un 1500. Alors, 2000. Voilà, là, tu continues tout droit, là, dans votre poulet, et puis après, on tournera après. D'accord. Et tu seras bien éclairé par le soleil. Ouais. Ah, en voiture, il y en a quelques-uns qui se font plaisir là-bas. Ah oui, dis donc. Ah, le pont du Gard, magnifique. Ouais, magnifique, magnifique. Ouais. Bon, l'après-midi, c'est cette face qui est éclairée par le soleil. Oui. Bon. Et le matin, c'est l'autre face, c'est très joli aussi. Hein. Ah oui, c'est agréable. Et chouette, dis donc. Ah, ah oui. Ça vaut le coup, hein. Ah bah qu'à faire d'aller à Uzès, tu vois. Pour oui, un petit détour là, rapide. Petit détour est sympa, hein. Ouais, écarte-toi un petit peu plus, ça peut le voir un peu. Là, on va prendre Charlie, en finale pour la piste, la longue piste. Trafic en vue sur la piste, à Montélimar. Alors, 2400. Et l'espèce de grand lac là, c'est quoi en face? Oh, je pense que c'est un photovoltaïque. Un quoi? Un photovoltaïque. Un photovoltaïque. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un photovoltaïque. Voilà, là tu peux tourner. Alors, allez. Bonjour. Bonjour. Ah, il est bien éclairé quand même là. En provenance de Romans et à destination de vos installations, 2500 pieds stables venant de passer l'autoroute, rappellerait vertical des installations Fox Victor Zulu.
Ah, la vue de là, elle est superbe. Magnifique, ouais. Extraordinaire. Ah ouais. Hop là. Donc là, on se fait pousser à droite. Là, ils ont activé des zones là, hein. Ah. L'application est de Lille. Ouais. Ah oui. Il y a plein de capacités de SDVFR que je connais pas en plus. Ouais. Okay. Et tu peux l'utiliser aussi en simulation, en tracking de ton simulateur. Non, ils sont toujours dans l'est des installations à 10 minutes de l'autoroute. Delta Mike, tu veux dire. Oui, on s'en trouve Delta Mike. Voilà, là on va prendre un cap 300% à peu près. Absolument, Fox Victor Zulu, 2200 pieds, descente 1700, appel de verticale des installations estimées 1 minute. Ah, c'est des sacrées carrières en dessous là, enfin les... Ouais, voilà, là, c'est les carrières de la pierre du Gard. Hein. Ils t'ont tranché ça comme ça là, clac. Ah ouais, là ils découpent après. Tu commandes une cheminée, c'est bon. Ouais. C'est la part en pierre du Gard. Sur mesure. Sur mesure. 1800, on remonte à 2000, on reste. Oh, on peut monter 2000, ouais. C'est déjà une installation, ça va rentrer en début de l'intérieur ferroviaire. Alors, Uzès, c'est ce qu'on doit voir là-bas. On démarre Fox Delta Mike, Uzès, sur bout de l'aile. Je suis pour la verticale terrain. Voilà, non, là, et je suis payé d'être dans le vent derrière le gauche. Là. On est en fonction du trafic. On rentre un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Vers la montagne la plus haute là-bas, tu vois. D'accord, ouais. Ça nous fera attaquer le début des gorges de l'Ardèche. Ok. Là, les champs de photovoltaïque qui ressemblent à des lacs. Ouais. Oui, tout à l'heure j'ai regardé, là, effectivement, c'était bien photovoltaïque. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Mais ça, ça t'intègre pas si mal que ça, quoi, finalement. Ouais. Moi, je préfère ça que des éoliennes. Bon, après, il y a le recyclage après des panneaux, c'est autre chose. Ouais. Ah ben ça c'est vrai. C'est une durée de vie de combien? D'une vingtaine d'années je crois, ou 30 ans? Les panneaux? Ouais, à peu près, oui. Bon, les premiers un peu moins quand même. Enfin l'avantage, bon, c'est que les panneaux, bon ben... Même si on ne sait pas les retraiter pour l'instant, ils sont pas dangereux, ils sont pas radioactifs par exemple, quoi. Ouais. Donc on peut les stocker en attendant de trouver une solution, quoi. Hein. Ah oui. Ouais, les... Ah, mais non. Montélimar, Fox Delta Mike, je suis vertical tiré. Je me mets en vent traversé et intègre l'avant, l'arrière. 02 avion. Est-ce que c'est l'environnement hélico qui est posé là? Ah oui. Semblerait. Bon bah le bouquet à gauche là-bas. Le bouquet à gauche. Donc toute cette partie là à gauche c'est Méjean Le Clap tout ça là. Non. Non. Méjean Le Clap c'est plus. Non. Plus à gauche là-bas encore. Ouais. Plus à gauche là-bas.
plus vers ah, oui, 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 non, j'ai des bêtises. Oh, ouais, effectivement. Le village qu'on voit éclairé, c'est Lucent. Oui. Et Méjean le Cap est entre Lucent et... D'accord. Oui, oui, non, tout à fait. Alors, on est beaucoup trop au nord-est. Ouais. Allez, je vais appeler Orange. Orange approche de Fox Charlie Hotel, bonjour. Fox Charlie Hotel, Orange, bonjour. Fox Bravo Papa Charlie Hotel, un DR220 de UTS à Rionce via les Gorges de l'Ardèche. À 2 minutes de votre zone, 2200 pieds, pour transiter 7000 et 2 personnes à bord. C'est copié, monsieur. Pour information, vous allez survoler deux appareils hélicoptères, si c'est bien vous, donc sud-ouest de Papa 19. Les appareils dans votre secteur midi, de nautique, 1000 pieds pour les deux appareils, donc 1000 pieds bas. Vous affichez 34-41 au transpondeur et le QNH est à 1017. 34-41, 1017, et bien pris d'info pour le trafic d'hélicoptère. Fox Golf Mike Québec Fox Orange, bonjour. Fox Golf Mike Québec Fox, 3.8 au Peton Bond, Fox 414 sur Valence, at flight level 055, Squawk 77, that's going to transit your zone. Roger, Squawk 3442, the QNH 1017, say how many people on board? Squawk 3442, QNH 1017, Fox 414. Visuel sur l'hélicoptère. Ah, ça y est, ouais, visuel. Ok, un hélico. Oui. Charlie Hotel, on a visuel sur l'hélicoptère. Reçu, et le transit est approuvé donc pour l'Ardèche. Vous me rappellerez donc en remontée vers Rions. On vous rappellera en remontée vers Rions, vers Saint-Martin. Parfait. Voilà. Voilà, les deux hélicos. Et juste en droite là. Ouais, ouais, non. La patrouille de rapide 21, bonjour. Patrouille de rapide 21, bonjour. L'approche pour information, vous allez être survolé par un appareil VFR, 1000 pieds haut, en route vers les gorges de l'Ardèche, route nord sensiblement. Allez, je suis prêt, rapide 21, après 0000, vous avez déjà la position et on va subir dans 5 minutes. Des copies Artibi 5000, vous me rappellerez près, la 32 en service, ah, oui. Condition VFR, QNH 1017, ça sera trafic connu à vous signaler, hormis l'appareil précédent. Ah oui, d'accord. Là, on va pas revenir. Ah, il est juste en dessous, là. Ouais. Ah, 1000 pieds, c'est pas beaucoup, hein. Ah, pas beaucoup, hein. Et le deuxième, il passe là-dessous. Fox Québec, Fox Red Identified, Transit Approved, Report Living Area. Ah, donc là c'est Bagnols sur 16. Ah voilà, je me disais, mais c'est quoi ce patelin qui est si grand que ça? Patelin, ouais. Donc là-bas on va vers Montélimar. Ouais. Ouais. Voilà, donc... 2310 donc. Vous a autorisé 2000. Ouais. On remontera après dans les gorges de l'Ardèche, on remontera 2005 après. D'accord. Voilà, je vais prendre un petit peu à gauche, je te montrerai le joli village de la Roque-sur-Seine. Et les cascades du Sautadé. Voilà, tout droit là. T'as entendu parler des cascades du Sautadé? Comme ça, là, non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien, voilà. Bon, c'est la rivière, c'est la Seine qui passe. Ouais. À la Roque-sur-Seine. Et la Seine qui arrive à Bagnols après. Et les cascades du Sautadé, c'est un coin qui est entre les rochers assez étroit, le passage de la rivière. Oui. Ça fait des marmites et ça fait des courants assez dangereux. D'accord. Et toutes les années, malheureusement, il y a des gens qui s'y noient, quoi. Ah bon ? Même malgré l'interdiction de sauter des rochers, tous les avertissements qu'il peut y avoir, quoi, malheureusement. Oui. Et la légende dit que la fille d'Hannibal s'est noyée ici. Hannibal, d'accord. Voilà. Il a traversé là avec ses éléphants en revenant des Alpes, je ne sais pas où il allait, mais après.
Voilà, il paraît que ça finit se sauver noyé là. Ah. Orange contrôle, Fox Hotel Oscar, bravo, bravo, William G. RC5, Canary, l'espérance. Affirmative, sir. Scook 7000, no traffic reported, Trinity 1017, and a good flight, sir. Bye. Ça reste un bon point de repère, le bouquet, quand même. Oui, voilà. Sûr, hein. Good day. Thank you. Ok, ah ben voilà. Ça, c'est encore autre chose, ça, là-bas. Là-bas, au fond, c'est le Tricastin. Ah non, alors Montélimar, oui, c'est quand même beaucoup plus haut, alors. Montélimar est encore beaucoup d'accord, plus haut, ouais, ouais. Dans Montélimar, ben, je ne vois pas. C'est un petit peu brumeux, quand même, malgré tout, aujourd'hui. Ouais. Pas 6h20. Bah. Il n'y a pas à dire, hein, c'est beau le vol ici. Hein. Ah ouais, 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 quand même. Il y a beaucoup de belles choses à voir déjà d'une part. Ah, et puis un peu de temps, on peut faire un circuit sympa, quoi. Ah oui, oui. Et puis finalement, c'est varié, hein, parce que là-bas, tu vois, on était sur les reliefs. Oui. Là, après, tu remontes, tu retrouves un petit peu de relief, tu te retrouves en plaine, tu vois les, ah, ouais, ouais, les paysages hein. Complètement différents. Orange Bridge, Golf Hotel Mike Junior. Alors là, le village, c'est la Roque sur 7, c'est un village hôtel Mike, celui à Toronto. Celui-ci-là ? Ouais. Comment t'as dit ? La Roque. Ah, la Roque. La Roque sur 16. Golf Mike Julia, Montalemar 5, November. Can you just confirm we are clear now to... Serre un tout petit peu, il va passer. Donc la rivière, là, c'est là que ça s'appelle les gorges du... Cascade du Sautané. D'accord. Mike, Tongo, Lima, 5 November. Roger, I copy that. It's just on my procedure, it had us going south. Hop là. We'll proceed direct by Tangalima from here. Roger, so it's approved, proceed direct. Proceed direct, go find you, thank you. Bon, je pense Pyrénées, 3-0, vous êtes tous. Oh non, là, les cascades là, juste à bonjour. Notre droite. Oui, oui, oui. Attends, j'écarte un peu, un tout petit peu pour les voir. Ouais. Ah oui, ah oui, effectivement. Ah oui, quand même. Ouais, c'est là, c'est même pas si t'as visité aussi. Hein. Ouais. Je sais même pas s'il y a un kayak qui passe là-dedans. Si, peut-être, mais enfin, bon, ouais, mais c'est très dangereux, quoi, en fait. C'est pas un débutant qui va là, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ok, la Roque sur 16. Là tu vas prendre ce que tu te vas aller là. Ouais. Et même légèrement à droite de la main. Colibac Infuse égale. Et on va passer dans un coin qui s'appelle la Chartreuse de Valbonne. Ça c'est pareil, c'est un nom qui me dit quelque chose, mais là. Chartreuse de Valbonne. Ah oui, d'accord. Oh, là, c'est un ancien couvent avec des toits en tuiles verdissées. Ok. C'est assez joli, le cadre est sympa. Bon, tu vois, là on est ici à la Roque sur 16. Oui. Tu vois, on a un cap là, très légèrement à droite encore. Bon, comme c'est dans un trou, on le voit pas. On va voir la surprise. Alors c'est la surprise, voilà, ouais. Alors, du temps où on faisait des baptêmes sur le pont du Gard. Prenez cette petite vallée là-bas. Oui. Et pof, je sautais dans la tête. Je suis arrivé à ras du sol, tu vois. Ah oui. Je plongeais là-bas. Là. Rapide check radio, vous me recevez? Comment savoir les toits qui apparaissent? Donc, pour te mettre de ton côté pour que tu... Dans quelques instants, qu'une H-17 et un appareil chasseur en tour de piste. D'accord, effectivement, je la vois là, oui. Voilà, d'accord, ouais, c'est joli. Bien pris pour les rappels de vapeur. Pyrénées 30, Pyrénées 30, sorry. Descent 3000 feet. Greenwich 1016. Report 1 minute before begin of your procedure. And say estimated time for your touch and go. Ah oui. Mais ils ont une petite spécialité là-dedans. Non, je sais pas trop, tout même peut-être. Parce qu'il y a des vignes autour. Ouais, ouais. En général, tout ce qui a caractère de monastère ou de l'abbaye ou de machin, ouais. Un petit quelque chose. Tu vois le toit, tu le verdissais là. Ah oui. Ah effectivement, ouais.
Sur les quatre tours et sur l'église. Ouais. Passage, start. 21, l'approche check radio. 21, jour 5. Un temps, ça a servi aussi d'hôpital, je crois. D'accord. Ah oui, les quatre tours, effectivement. Ouais. On dirait qu'il y en a une qui n'est pas tout à fait de la même. Ah oui. Ça, il a la surface quand même là. Ouais, la surface c'est quand même, ouais, tu vois. Non, c'est dans un petit creux, tu vois, c'est sympa. Hein. Bah, tu vois le. Ah, mince, la Chartreuse, le massif de la Chartreuse. Alors, je sais plus, c'est un monastère, une abbaye. Enfin, bref, c'est là-bas qu'ils font la Chartreuse, la fameuse liqueur, là, enfin, l'alcool, là. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. On y avait été en vacances, et c'est magnifique aussi. On avait été sur des sommets à proximité, et quand on a un bel éclairage, ça fait vraiment un écrin, c'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment enfoncé dans les. Dans les montagnes, et quand t'as l'éclairage qui est juste dessus, c'est simplement sublime. Bah, les ecclésiastiques, ils savaient à quel endroit bâtir. Ouais. J'avais 30 l'approche, check radio. J'avais 30, pour faut à présent 5. Voilà, Saint-Martin, on va aller sur Saint-Martin. J'ai radio, j'ai copié 37 pour la route des gaz, vous procédez Charlie-Mac à 3000 pieds ou 27. 3000 pieds Charlie-Mac, c'est correct pour 37 la remise de gaz. On peut légèrement faire une variation vers le sud pour éviter la première verticale, 30 degrés droite. Vous pouvez pas de trafic. D'accord, donc là c'est la sortie des gorges alors. Là c'est c'est la fin des gorges. Donc l'Ardèche se jette dans le Rhône à Pont-Saint-Esprit qui est au bout de l'aile là. Ouais. D'accord, là où ça fait une. Ouais. Ouais. Golfe côté Mike Juliette, Orange Contact France, 12725. Ah bien un joli pont là. Un joli pont, on est un peu caractéristique. Sorry about that for Golf Angeles. Golf Echo, Hotel Mike Juliette, contact Provence 127725. 127725, Mike Juliette. On arrive à Saint-Martin là-bas. Oui. Le petit village de Higuez aussi, qui est un village sympa. Oui. Et là, on va remonter les gorges de l'Ardèche après. Donc on se prend à 2500 là. Oui, on va lui dire, mais on va monter à 2500. D'accord. Fox Charlie Hotel, on arrive de Saint-Martin d'Ardèche pour remonter vers Royons et monter à 2500 pieds. Approuvé QNH 1017. 1017, Fox Charlie Hotel. Voilà, 2500 pieds. Voilà, donc le village des Guettes à gauche là. Oui. L'autre rive. Ah ouais, ah, les gorges. Voilà les gorges. Donc, hop, là, 2500. Donc, contact Zéatis pour le moment. Of Bon alors donc tu vois les gorges cette année, en une semaine on va dire, je les ai vues au ras de la flotte, hier au niveau de la route, et aujourd'hui. Voilà, comme ça. Trois façons différentes de les voir. Et ouais. Hein. Donc hier on en a pris plein les mirettes. Alors je vais essayer de te montrer un truc. If you maintain a flight level 5.5, you can leave and go to the balance QNH 1017 7000. C'est du 2003 que j'ai là. 2003. Alors, est-ce que tu connais le rocher d'Autridge? Non, le rocher de... Autridge. Non, sérieux. Alors, il est quelque part... C'est peut-être bien celui-ci là. Je vais voir si je le reconnais d'en haut. Il a quoi de particulier? Bah en fait, ça fait un attic, une falaise de l'ordre de 200-230 mètres. Ah oui, d'accord. Et elle est équipée en haut et tu peux la descendre en fait.
Ah ouais, et quand tu te la mets vraiment, de toute façon c'est pas compliqué, on va la reconnaître parce qu'il y a une route qui diverge dessus comme ça. T'as la route qui passe et puis ça fait une centaine de mètres à peine. C'est de rive droite ou rive gauche? Rive droite. Non, rive gauche, pardon. De ce côté alors. De ce côté, de l'autre côté. C'est un candidat, mais pas sûr. Non, c'est pas celui-là. Là, les plus hautes falaises, c'est à peu près par là, tu vois, là derrière, là, tu vois. Ouais. La pique de la route, là, la petite belvédère, là. Ah, ça se trouve, on est déjà passé dessus. Ouais. Ça va tellement vite que... Eh oui. Là, on arrive au cirque de la Madeleine. Le rocher. Ah non, la Madeleine, alors c'est bon. Le rocher de la cathédrale, après, là-bas. D'accord. Ah ok, donc la Madeleine est à le château quelque part en dessous là. Un petit peu plus haut. Château c'est... Ah oui tiens voilà, ok ça y est je sais où on est par rapport à hier. Ben ouais. Ça y est je le vois le château, il est juste là là. D'accord. Non le château, là oui là c'est les ruines d'une ancienne, l'ancienne abbaye là, oui. Ouais. Alors, d'accord. Cirque de la Madeleine, la presqu'île des Templiers. D'accord. Oui, donc hier il y avait une guide touristique là, qui disait qu'ici il y avait un camp nudiste en fait, naturiste. Oui, tout à fait, voilà, au Templier, ouais. Là, le rocher de la cathédrale. D'accord. Et puis après, il fait un virage comme ça. Donc là, on ne doit pas être loin de celui dont je te parle. Oui, d'accord. Ah, c'est génial. Et là, ça fait des petites pointes là, juste en dessous. Ouais. C'est fabuleux. Ah, puis là, c'est éclairé par le soleil. Alors. Ah oui, nickel. Hein. Je vais prendre un petit peu à droite. Ah ben tiens, je crois que c'est celui-là. Là, tiens. Ah, voilà. D'accord, là, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de doute, c'est celui-là. Ouais, voilà. ouais, bon, je vais tirer un peu à droite. Hein, oui. Pour qu'on le voit bien sur la gauche. Alors, tu dis combien de 230 mètres au moins 200 mètres, ouais, de l'ordre de 230 mètres, sans doute. Et en fin de compte, donc, faut passer. Tu te mets juste à la verticale. Ouais. Faut que tu descendes, que tu contournes un tout petit peu. Ouais. Et donc tu trouves les points d'amarrage. D'accord. Et la particularité c'est que tu départs, donc tu es contre la paroi, et rapidement au bout d'une dizaine de mètres, t'es plein vide. Ouais, d'accord. Ce qui fait que tu te fais un rappel de 200 mètres quoi. Ah ouais, quand même, ouais. Direct. Ouais. Et t'atterris en dessous dans la rivière, on prend un peu de choses près. D'accord. Extraordinaire. Ah ouais, sympa, ouais. Et donc je le connais, puisqu'en fait il y a un ami, donc Spéléo, ouais. Qui d'ailleurs qui habite à Bagnoles là. D'accord. Qui l'a fait en descente. Ah ouais. Et en remontée. Waouh. D'accord. Ah oui. Ouais, c'est pas la même. Ah non, là c'est pas du tout le chemin, mais bon, après il faut le refaire. Hein. Donc un petit salut à JP en passant. Hein. Donc le théâtre des exploits. Ouais. Et quand tu regardes, c'est vraiment impressionnant quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, c'est vraiment torturé en fait. Hein. Ah oui, oui. Ben là d'ailleurs, tu dois avoir le château de Go. Là, ouais. Ouais, là c'est Go. Ouais. Voilà, on le voit apparaître. Ah oui, celui qu'en dessous là. Ouais. Là c'est un bivouac là, voilà. Et un peu plus bas, tu as celui de Gourmier. Ah oui, Go, d'accord, ok. Voilà. Et puis là en haut, il y a une... Comment on appelle ça? Enfin, il y a un ancien système qui permettait d'avoir du treuillage pour descendre du matériel. Ah, d'accord, c'est possible, ouais. Voilà, et puis ça c'est donc le col là à 320 mètres. Oui. D'accord. Voilà, là on arrive le pas du mousse, c'est celui qui a la forme d'un cœur, suivant comment on le voit, tu vois. Et on arrive donc au pont d'Arc. D'accord. Donc hier on est passé effectivement, là ça fait un grand lacet là. Ouais. Un truc assez impressionnant. Et là de vous effectivement c'est une vue qui est mais alors fantastique. Ah oui, belle. Ouais. Et tiens on voit le pont là-bas. Voilà. Le pont d'Arc. Et donc allons pont d'Arc là-bas. Ouais. Donc on est vertical du... Hop là. Voilà. Le pas du pouce qui a la forme d'un cœur à peu près. Ouais. Voilà, c'est pas joli hein. Ah, et là, c'est là-bas la caverne où j'étais hier. Oui. Et donc par là-bas, c'est la Gorse, je pense. C'est la Gorse, le village. Celui qu'on voit bien éclairé là. Tout à fait. Ah, c'est 2500. Voilà, on change sa zone, je vais l'appeler orange. Francis Charlie Hotel, on arrive le pont d'Arc, sortie de zone, vue d'Orion, c'est pour quitter. Monsieur Charlie Hotel, 7000 au transpolar, pas de trafic connu à vous signer, vous pouvez quitter la fréquence, au revoir. 7000, bonne journée, au revoir. 7000. Voilà, on va replacer 123.5. Alors, récupération, on fait un petit détour comme ça. Alors, la Gorse est ici, Vallon-Pont d'Arc est là. Ruyon, ça doit être... Le village qui est là-bas, Ruyon. C'est celui... Ah non, c'est celui qui est là-bas, là. Ouais. D'accord. Voilà. Et celui qui est à gauche, là, c'est quoi?
Oh, ça fait partie de Valence et des Masses. Ah oui. Donc il y a 3-4 jours, on est allé se balader en dessous là. Ouais. Et là derrière, c'est la vallée de Libye. La vallée de Libye là. Et donc il est juste à droite, là, c'est ça qui fait comme ça là le méandre. Voilà. Et donc la Dendorée, c'est tout le, toute la partie voilà. À droite. La Dendorée, c'est le, la partie la plus haute, là, ouais, qu'on voit. C'est ce qu'on voit là. Ouais. Effectivement, quand t'es ici, t'as encore du chemin à faire pour y arriver là-bas. Oui, ça se fait, mais après, bon, il y a de belles balades à faire là-haut. Hein. Ouais. Ah ben oui, c'est clair. Bon, même à partir de la Gorse, là, il y a des belles boucles à faire, là, tu vois. Ouais. Au-dessus de Lausanne, là, au-dessus de Libye. Et en fin de compte, hein, juste, juste en dessous là, je pense, là, oui. Je vais virer légèrement comme ça là, oui. On devrait le voir, t'as une arche, oui, pareil, une arche naturelle là. Tout à fait, une arche et naturelle. Donc, là. Voilà, ben, elle est tout droit là devant, là. On la voit, Nadian. Ah bon je pense qu'elle doit être en dessous là. Parce qu'on avait une petite ligne de crête. Un peu plus loin sur le... Juste en dessous là. Un petit monte, enfin t'as une petite montagne là. Oui. Elle est juste en dessous là, juste derrière, on la voit pas encore. Ouais, voilà, derrière, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Et donc ben, c'est là où on était il y a, je crois, il y a 3 jours. Ah oui. Donc ouais. On est parti de la Gorse, on est monté là-dedans, oui, bon d'accord. Tu passes tout en. Voilà, notre dame d'Ajude, puis après on descend et puis voilà. Voilà. Tu suis la ligne de crête qui fait que t'as une petite vue, enfin voilà, on oui, appelle oui, la ligne oui, de crête oui, ici oui. Là. T'as une petite vue donc sur la vallée libyque qui est bien sympathique. Tout à fait. Voilà, effectivement le champ vert est ouais, marron ouais, là. Ouais, ouais. Et donc elle est juste ici, elle va apparaître à gauche là. Ouais ouais voilà, tout à fait, je la connais bien cette balade. Ouais, sympa. Ouais. Et en fait il faut bien la faire dans le sens en partant de la Gorse, hein, comme ça. Oui, parce oui. Parce que oui. Là t'as l'ombre, et dès que tu reviens là après, tiens ça est là pareil. Ouais. Et dès que tu reviens ici, là t'es un peu exposé quoi. Ouais. Donc, d'ailleurs on voit bien le sentier et puis le ouais. Petit... Les verticules là, qu'il faut faire pour aller rejoindre la... Et hop là, on la voit apparaître là. Ouais, tout à fait. Le seul truc, c'est que en fait, elle n'est pas indiquée quand tu marches sur le sentier. Tu crois qu'elle n'est pas indiquée Non, non, il n'y a pas. Ah ben, on voit bien le sentier là, ouais. Ah ben, ouais, on la voit bien à l'arc sentier, là. Ouais. Ah bon, je sens qu'elle était indiquée, moi. Ah, ouais. Non, justement, on s'est fait avoir. Ah bon, d'accord. On a marché 5 minutes de plus, voilà, on est vertical quasiment là. Et justement, bon, après quand tu l'as vu, t'as repéré, t'as un truc un peu caractéristique on va dire, ouais. Mais... Ah ben un peu plus loin là, tu as un truc qui est très joli qui s'appelle les courbes de la Sampe, je sais pas si tu as entendu parler. Et les courbes de la Sampe. Ça me dit quelque chose, ouais. Alors, je vais te les montrer, il faut que je les retrouve. Là on va descendre un petit peu. Ouais. Alors, attends, là c'est bon... Bon, ça doit être à peu près tout droit là. Ouais. Alors bon, c'est vrai qu'il faut le faire, ça fait 2 cascades qu'il faut faire quand, bon, quand il a beaucoup plu quoi. Oui, c'est un coin très sympa, il y a de belles balades à faire aussi. Ah et c'est tout en falaise là. Ouais. En fait c'est un petit ruisseau, alors là tu as un ruisseau qui s'appelle la Sampe, puis ouais. Tu as un autre petit ruisseau qui s'appelle le ruisseau du Nègre. Et dans ces rochers là tu as... les cours de la Sampe. D'accord. Elle est sauvage, c'est joli là. Je vais te mettre de toute façon si tu le vois bien. Ah oui, tu vois la gourde là, juste à gauche, là ouais. Alors il y en a deux qui se superposent. Ah. Et quand il pleut, après des fortes pluies, il y a des cascades, tu vois, pour les deux là. D'accord. On a même l'impression que ça fait une... Ouais, non. Ça fait une sorte de caverne un petit oui, peu. Oui, c'est ça, voilà, j'ai dit une arche, ouais, mais ouais. Non, en fait, c'est, ouais. C'est vraiment une caverne. En fait, ça fait un plancher, ouais, là, on le voit bien. Ouais, ah ouais, nickel. C'est un peu trop serré, enfin, voilà. C'est assez sympa, quoi. Hein. Ah ben, c'est clair. C'est une balade à faire, quoi, aussi, quoi. D'accord. C'est pas très loin. Quoi, donc, en fait, c'est juste au nord de la Gorse. Au nord de la Gorse, ouais. Bon, bah écoute, tu sais quoi, je crois qu'on ira peut-être hiver d'ours. C'est à faire, c'est joli. Ah ben, c'est clair. Ah, après comme jolie balade à faire aussi, c'est le cirque de Jean là-bas. Hein. Ah oui, tout à fait, on ouais, est allé dans la première semaine. Ouais, voilà. Ah ben oui, c'est celui qu'on voit juste en face là. Juste en face, ouais. Voilà. Donc là tu as Chauvron, pardon, le cirque ouais. De Jean, tu peux... Ah ben, la Zuc, à droite là. Pas la Zuc là-bas. Et tu as un circuit qui passe par le plateau dessus, ouais. Puis qui longe les falaises après dessous. D'accord. À mi-falaise à peu près.
Ça t'embête si on fait un tour à Balazuc? Ah non, pas du tout, y'a pas de soucis, hein. Elle doit 119 850 pour voir si c'est pas... Je vois pas d'appareil là. Du monde, voilà. Alors par contre, Balazuc c'est un petit peu plus... Ouais, tout droit là. Ouais. Oui c'est ça, parce qu'après on redevenait... Quand on sort de Balazuc, en fait tu regardes, t'as la route, et tu vois que ça redevient enfin pleine entre guillemets quoi. Tout à fait. Ah, ça y joue à la tour là-bas. Ouais. Bon, on n'y est pas monté à la tour. On est allé au Vieil Oudon par contre. Vieil Oudon, puis après tu peux faire le tour, la tour Jeanne, et puis voilà. Ah c'est ça, la tour Jeanne, voilà. Et puis là-bas, ben, c'est l'aérodrome d'Aubenas. Là-bas, c'est l'aérodrome d'Aubenas. Remonter à pied 36 et repartir. Non, c'est l'avion qui est sur la piste là-bas. Voilà, Balazuc. Balazuc. Il 500, c'est une belle altitude. C'est pas mal, voilà. Donc lui, bon. Normalement pas trop le survoler. Ouais. Alors Balazuc il est... voilà, il est là. De toute façon ça sert à rien d'être près finalement. Quand tu voles, si t'es trop près, ah ben, tu vois pas bien le truc, hein. Ou alors tu passes, tu vois, et puis terminé, ouais, en ouais. Hein, donc... Faut jamais faire vertical, tu vois. Ah ouais, faut toujours se tenir un petit peu éloigné. Ouais, je sais pas, tu te prends un bon kilomètre... Ah oui. Voilà le joli pont. Et par là-dessous, là aussi, tu as un sentier qui mène jusqu'à Bourguet, là. D'accord. Qui est sympa, là, aussi, là. Il longe la rivière. Et là, on est en train de se faire pousser, comme ça. Ouais. Devant du nord, c'est le même. D'accord, il est pas très fort. Non. Et voilà, et le Vieil Oudon, là-bas. Voilà. Dourjane, qui est bien sympathique. Tout à fait. Bon, ben, voilà. Je l'ai pas vu de près, mais je l'ai vu du dessus. Tac. Et en bout d'aile. Voilà. Balazuc. Bourjat. Donc les méandres là-bas et derrière, en fait, on a le cirque de Jean qui est juste là. Tout à fait, le cirque de Jean, et on aperçoit les défilés d'Orient. Au moins un peu du fond, on a remonté à piste 36. Et on décolle. Donc Orient, ce qui est légèrement à gauche alors. Voilà, le ah ben ça y joue le terrain là. Là-bas. Okay. Le grand terrain, tu vois. Et on est remonté à 1800. Ouais, mais c'est bien. La verticale de Rion se fait à 1900. Donc, 1900, bon, ok. Ouais, 1900, 2000. Bon, je pense que ce sera la piste 36. Hein. Ouais. On a décollé un 18, il n'y avait pas de vent, mais bon. Oh non, c'est toujours le fond, on décolle piste 36. Voilà, 2000. C'est fou ce que tu peux faire, hein. On est parti à quelle heure 35 quoi. Une petite heure là. Ouais. Tu balayes un paysage, mais c'est incroyable quoi. Ah bah là on a fait un sacré tour finalement. Ouais. Ah bah là on a fait un méga tour là, c'est formidable. Super, ouais. Ah là, le cirque des gens. Cirque des gens, ouais. Là il y a des beaux sites d'escalade aussi là. Ouais. Toute l'année, bon... Et, tu vois, ce cirque est très abrité. Et ouais. Tu vois, le jour je promenais à pied, tu vois, et c'était au mois de février. Il y avait des grimpeurs, ils étaient en t-shirt, tu vois. Ah bah oui. Et il y a des hirondelles qui restent toute l'année là, tu vois. D'accord. Bah, tu vas pas avoir froid, c'est bon. On démarre l'hélicoptère, Fox, qui quitte le cirque par le sud. Et nous on est quelque part juste derrière là. Ouais, d'accord. 3 km. Hein. On doit être là à droite là. La bombe c'est là-bas. Ah, ou alors on est un peu plus par là, je sais pas. Ok, vertical, on est 11 pieds. Il y en a des maisons là. Faverolles, ça c'est la bombe qu'on voit là. Oui, c'est le village de la bombe. Alors nous on est juste à droite là-bas. D'accord. Juste en avant de l'aile là. D'accord, ok. Ouais. Alors quelque part par là, dans les masques ça fait, dans les maisons là. Ouais, ok. Ok, vertical, 2000 pieds. Alors la manchère, elle dit quoi la manchère? Qu'est-ce qu'elle dit la manchère? Elle est orientée comme ça.
Ouais, donc... Elle est quasiment en travers droit de piste, mais effectivement, légèrement. Elle est pas bien, elle est pas bien, elle est pas bien verticale quand même. Enfin, elle est pas bien horizontale. Hein. Je la vois pas. Et 36 ou 18 alors? Je dirais 36, moi. Rion, c'est le Fracture Charlie Hotel, dans ce cas des installations, on va se reporter début de vente arrière, piste 36. Oui, oui, effectivement, pas de doute. Ah oui, pas de doute, oui, effectivement. Ah non, je la voyais légèrement plus de travers, mais non. Non, là, c'est génial. Oh, ben c'est génial, ça, début de vente arrière 36. Ouais, voilà, ben là, on va commencer à descendre vers 1400 pieds. Il n'y a pas d'avion, il n'y a personne qui décolle, il n'y a pas d'avion sorti. Non. Voilà. Le terrain il est vide là. Voilà, tu réduis vers 1800 tours. Hop là, 1800 tours. Ouais, voilà. Bon, un petit peu à gauche là-bas et puis on va attaquer notre tour de piste à 1400 pieds. D'accord. Et nous faire venir vers le cercle des gens. Ouais, tout à fait. Ah, et c'est pas compliqué, il y a 2-3 jours pareil. Quand on passe un avion, tu sais, oh, ben, je me dis, lui il doit être en vente arrière, ou alors il s'installe pour la vente arrière pour la 36. Il va chercher sa vente arrière. Ah oui, on va utiliser les avions, ça fait partie du paysage. Hein. Ah ben oui. Voilà, là tu peux tourner. Alors. 1500. Voilà, là, tout droit. Donc là, on passe. Hein. Voilà, un petit peu de manière perpendiculaire au terrain. Voilà, perpendiculaire, 1500 pieds. Voilà. Tu avais dit où j'habitais, non? Non. Ouais, je la fais dans là. Ah bon, on est voisins? Bon, on n'est pas très loin, hein. Ah ben oui. Voilà. 1400 pieds, hop là, 2000 tours. La tour de Chapias. Ouais, ah ben voilà. Oh ben alors nous on est juste à gauche là-bas, dans les maisons là. Ouais, d'accord. Là c'est Champ-Renard. Bah c'est Faverolles, hein, de toute façon tu connais Faverolles. Ouais, Faverolles, donc c'est un peu plus par là, Faverolles. Bon, le quartier est large, mais bon. Voilà, là tu tournes, tu passes à peu près sur les entrepôts là. Ouais. Voilà, tout droit là-bas, vers le col. On va préparer la machine, donc la pompe électrique, réchauffage, mixture. On est dans l'arc blanc, un cran de volet. Hop, un cran, à droite, à gauche. 2000 tours, on est bien. 2000 tours, 1400 pieds, on continue. On est en début. Je suis sûr qu'on passe à la verticale plus ou moins de la maison là. Oui. Bien, alors là, si, j'ai entendu, tu sais, tout d'un coup, je suis sorti, je le voyais comme ça, il passait. Ouais, on est au-dessus de la Baume. Voilà, au-dessus du village de la Baume, là. Saint-Albin, là-bas. Alors, le terrain, il est là. Voilà, on va se mettre sur 4,15, là, pour bien tenir. Voilà. C'est vrai que... Ouais, bah... Un avion, il est délicat au décollage et à l'atterrissage. Ouais, après le reste. Bon, après, en cours de route, c'est un plaisir, quoi. Démonstration a été faite, je crois. Voilà. Je suis content que ça t'ait plu. Ah oui. Rion, c'est le Fox Charlie Hotel en vente arrière, piste 36 à Rion, c'est pour un campé. Voilà, là on va tourner à base. Voilà, tu réduis vers 1600. Et tu laisses descendre 130 comme ça. Voilà, face à la dent dorée là-bas. Ouais. Voilà, là ça te donne un cap perpendiculaire à ton terrain.
servir maintenant. Voilà, oui. Ne serre pas trop ton virage. D'accord. Et ça devrait le faire. Ah oui, maintenant il faut déterminer l'axe de la piste. L'axe de la piste, c'est là où il n'y a pas d'herbe. Ouais, c'est la partie qui est plus claire en fait. Voilà. Oh. Celle de droite, hein, celle de gauche, celle qui roule. Oui. Voilà, là tu réduis tout. Tu sors ton deuxième réseau de volée. 1, 2, on passe la route à 900 pieds, on fait le dernier virage, on est bien. Ouais. Tu vises le début de piste et tu laisses ta vitesse se résorber et maximum 110. Maximum 105, 110 en vitesse. D'accord. On est sur du 120. Bon, mais ça va se résorber, tu vois. Bon, ça vole bien, ça plane bien quand même. Ah là, on est sur du 110. Voilà, là, tu rajustes ta puissance avec ce qu'il faut pour le garder sur 110. Donc là, voilà. Allez, 110, ok. Voilà, continue comme ça, tu vises le juste un peu avant le trait blanc. Aye. Attention, il y a une clôture avant, il y en a un qui veut l'emporter. Attention, tu es un peu bas. Voilà, allez. Ah oui, d'accord, ils ont laissé un peu. Et là, le plus dur, c'est de le garder, à ligne droite. Ouais. Voilà, garde ouais, également bien, bien arrière. À l'arrière. Voilà. Bon, on va freiner un tout petit peu. Et on va pouvoir sortir. Nickel. Alors là, il y a des trucs un peu... Bon, ça risque rien, hein. Tu peux sortir là où tu veux. Ah oui, d'accord. Bah, j'ai vu ça comme des petits rochers, je me disais pas quoi. Allez. Alors, un peu de patate et un peu de pied. Voilà. Un peu beaucoup, un peu de pied. Voilà. Ah, effectivement, ça se... Ah oui, on se voit sur l'hôtel, la piste est dégagée. Ah, voilà, il n'y a personne qui le prend après, on va l'amener directement au hangar. Il reste copié encore la moitié d'essence, ouais. Y a pas de soucis. On pourra le laisser un peu dehors que je fasse deux trois images. Ah oui, pas de soucis, ouais. Bon, tu veux qu'on le laisse là-dedans? Ah bah écoute, à la rigueur, ouais. Ouais, devant le clubhouse. Voilà, sur l'herbe, comme ça il n'y aura pas trop de réverbération. Oui, bon, écoute, voilà. Ici, ouais, voilà, c'est bien, comme ça paraît bien. C'est bien, hein. Soleil à gauche, soleil, le club derrière. Parfait. Allez, viens. Hop là, on ferme. Rion, ça fonctionne Charlie Hotel au parking, on quitte la fréquence. Super. Excellent. Ah franchement, c'était formidable. Beau voyage là. Hein. Ah là oui. Pour le principe. Ah, tu as vu la zone quand elle est active avec SDVFR, tu vois, elle se met en rouge. Ah oui, d'accord. Hein, voilà toute cette zone là qui est active quoi en fait quoi. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps, on avait bien vu que les avions ici. Ah oui oui. Ils ont une vie assez active quoi. Oui oui, tout à fait. Ils font pas semblant. Dans la zone d'orange là, il y a du monde là qui est. Ouais. Hop là. Ah, de l'air. Un petit peu de courant d'air. Eh ben écoute, franchement, c'est une machine qui est excellente. Donc, retour de l'appareil au hangar. Il y a un copain qui vole là.